En une semaine seulement dans la Star Academy, il se pourrait bien que deux candidats aient craqué l'une pour l'autre. Alors que les rumeurs vont bon train, leurs réactions ne sont pas passées inaperçues. Et le doute est plus que jamais permis. La suite après la publicité le 11 novembre dernier, la compétition a véritablement été lancée dans la nouvelle saison de la Star Academy. Au bout d'une semaine seulement d'aventure, un premier candidat s'est fait éliminer. Et il s'agit du sympathique Louis. À 24 ans, le jeune homme avait pourtant tout pour se démarquer dans le jeu mais, sa prestation sur le titre de l'homme pâle, décrescendo, n'aura pas convaincu ses petits camarades qui ont préféré sauver son concurrent Djibril. Forcément, c'est un Louis très déçu qui est sorti du silence sur ses réseaux sociaux, avant de finalement retrouver le sourire lors de sa tournée médiatique. Il a notamment été vu lundi soir dans Quotidien pour débriefer de sa courte expérience au château de Damary-les-Lys et il s'est également confié pour nos confrères de Melty. Lors de cet entretien, il a pu revenir sur la question que tout le monde s'est posée. A-t-il craqué pour Margot, dont il était très proche, pendant l'aventure? Malheureusement, Louis a préféré laisser planer le doute et a offert une réponse en demi-teinte. Margot est devenue une vraie amie. Mais je pense qu'il faut être à deux pour répondre donc je ne pourrais rien dire sans la présence de Margot, a-t-il lâché. Margot n'avait pas envie de rentrer là-dedans. La jeune femme qui a été sauvée par le public samedi soir avait également eu le droit à son lot de questionnements sur le sujet lors de son retour au château. Mais là encore, le mystère est resté entier. Je ne sais pas s'il se serait passé un truc. J'aurais fait en sorte que non parce que je n'avais pas envie de rentrer là-dedans, a-t-elle expliqué à ses amis de l'émission, lesquels n'y croyaient toutefois pas du tout, jugeant qu'il avait été cramé. Plus tard, au confessionnal, elle ne démentait néanmoins pas leur grande complicité. Louis va me manquer, je suis un peu dégoûtée. De toute façon, c'est le jeu, c'est l'aventure, ça va être de plus en plus dur. En vrai, c'était un peu mon binôme, je pense que tout le monde le sait ici, avait-elle exprimé en larmes. Affaire à suivre donc. La suite après la publicité. La suite après la publicité.